Le plaisir versus le bonheur. Soyez très honnête, combien de jours de vrai bonheur avons-nous au cours de notre vie? Très peu. Du plaisir, oui, on peut s'en procurer. On peut même l'acheter, notre plaisir. Généralement, c'est ce qu'on fait. Mais le bonheur, le vrai bonheur, la paix d'esprit, la réussite de cette paix intérieure, comment se la procurer? Malheureusement, beaucoup de cours ont été inventés. Beaucoup de livres ont été écrits sur le sujet. Et pourtant, est-ce que les gens ont trouvé le bonheur? Non. Parce que même les auteurs, eux-mêmes, affirment que oui, j'avais écrit tel ouvrage à une certaine époque, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que ça ne répondait pas à l'appel. Je tombe encore en dépression, dans l'anxiété, pensée suicidaire, stress, découragement. Le bonheur, la vérité, parce que c'est ça qu'on veut. Veritas, vérité, émettre en hébreu. Le bonheur se trouve si vous répondez à comment votre âme se nourrit. Si vous vous rattachez au concepteur de l'univers, vous trouverez le bonheur. Suivez nos podcasts, je vais vous montrer comment. Salut champion, écoute, je voulais prendre des nouvelles. Donc, je vois que tes affaires vont bien. Salut Johnny Superstar. Salut Johnny. Hey, what's up John? Hi Johnny. Je dois rester loyauté et obéissance.